Bonsoir la famille, bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous passez un bon samedi? Est-ce que vous attendez la victoire des Lions comme moi? Est-ce que vous êtes connecté avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes connecté à Abidjan? Est-ce que cette synergie-là, les Lions, la ressentent de l'autre côté? Est-ce que nous sommes Camerounais ce soir? Est-ce que nous sommes les Lions indomptables? Est-ce que nous sommes les continentaux? Eh bien écoutez, on a besoin de cette synergie. Ils ont besoin de cette synergie. Alors, entre-temps, partagez, en essayant de meubler, en attendant le match des Lions, nous allons parler de la femme, nous allons donner la parole aux femmes. Les femmes vont s'exprimer, les femmes vont nous dire ce qu'elles attendent de nous, les femmes vont nous dire ce qui dérange, ce qui quelquefois les perturbe de vivre un bel amour, les femmes vont nous dire ce qu'elles attendent des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Partagez s'il vous plaît. Moi-même j'ai fait un tour de partage et puis on va lancer les hostilités.
Celui qui demande de laisser voir le match. Nous, c'est le match du Cameroun qu'on attend. Le match du Cameroun, c'est à 21h. Et à 21h, nous serons tous connectés. Donc, c'est pour ça, en essayant de meubler le temps, en essayant de sortir un peu hein, de cette angoisse. Alors, on essaye de se divertir en parlant de nous, en parlant des êtres qu'on aime bien, les femmes, en parlant de tout ce monde, en parlant des envies, en parlant des rejets, en parlant de la vie ensemble, en parlant de la vie en couple, en parlant de l'amour, en parlant du sexe, en parlant de tout ça, en attendant que les lions prennent possession du stade, je ne sais pas si c'est le stade où Fouette Boigny, hein, mais bon, en tout cas, une chose est sûre, ça se passe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous allons partager. Permettez-moi de le faire aussi, s'il vous plaît. Et puis, on va déclencher les hostilités. Est-ce que vous partagez? Voilà. Est-ce que les justiciers sont là? Est-ce que les justiciers sont là? Est-ce que les... Oh là là, Suzanne Dongo, merci pour les cœurs. Dominique Goyepkal, merci pour les cœurs. Oh là là. J'adore ce cœur. I love this game. I love this game. I love this game. J'adore ce jeu. Envoyez beaucoup de cœurs, hein, c'est important. Vous savez que les femmes aiment les cœurs. Hein. Send a lot hearts, please. Hearts for the woman. Women, women, women hearts. Woman hearts. Oh, ho. Oh, ho. What happened? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, c'est important. On a besoin des cœurs ici. We need the hearts. Hearts, please. Send a lot. Merci Dongo, merci Dongo, merci Dongo. Ah, les justiciers sont là, ça me rassure. Ah, ça c'est bien. Quand je vois les justiciers,
Je sais que le live est bien, bien, bien sécurisé. Bonsoir aux justiciers. Donc, partagez. Partagez la MIFA. Partagez la MIFA. Moi-même, je partage en même temps. On va parler de la vie. On va parler de nos femmes. Femmes, je vous aime. Femmes, je vous aime. Il n'y a rien de plus pire. Mais malgré ça, vous êtes jolies. Femmes, je vous aime. Femmes, on vous aime. Malgré vos caprices, vous nous rendez tellement fragiles. On va parler des femmes ce soir, famille. Rien de plus beau sur la terre. Tout ce que nous faisons, hein, pour les femmes. Rien d'autre que pour les femmes. Only for the woman. Tout ce qu'on fait là. Tout ce que vous voyez là. Pour la woman. C'est pour les femmes. Oh là là, merci pour les partages. Ah, ça c'est bien. Encore, encore, encore. Ne lâchez rien. Encore, encore, encore et encore. Là, vous êtes sur la bonne voie, là. C'est bon. Bombardez les cœurs. Les cœurs. Pas les likes. Moi, je préfère. J'aime bien le voile rouge. Quand c'est rouge, là. Faites le rouge. Faites le rouge. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Ça fait du bien de voir les cœurs. Ça fait du bien. Oh, Suzanne Dongo. Merci pour les cœurs. Ben voilà, j'adore les cœurs. Ça fait du bien pour le direct, les cœurs. C'est tellement beau, les cœurs. Alors là, on a encore... Oh là là, c'est vrai que le temps va vite. Hein. Le temps va vraiment vite. Hein. Partagez aussi vite que moi, s'il vous plaît. Oh là là, merci pour les cœurs. Envoyez le maximum de cœurs. Merci pour les cœurs, merci. Envoyez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Les justiciers, faites le boulot, please. Please, les justiciers, faites le boulot. Faites le travail, les justiciers. Faites le travail, les justiciers. Faites le travail, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Bonsoir, la famille. Je ne vais pas tarder, hein, parce que là, le temps nous est tellement imparti que nous sommes tous rivés là-bas à Abidjan. Donc, en attendant, juste pour meubler, nous allons parler des femmes. Vous savez, la dernière fois, les femmes ont évoqué cette histoire. On en a déjà parlé, mais j'ai eu tellement de messages ce week-end. Les femmes ont envie de parler. Elles m'ont dit qu'elles voulaient parler, mais bon, c'est vrai que j'aurais voulu que ce soit un autre jour, parce qu'aujourd'hui, il y a match, mais bon, la disposition de certains ne permettait pas, et ça fait que on est obligé de le faire aujourd'hui, vite fait. On va faire ce qu'on pourra. De toute façon, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Il faut toujours prendre le temps de faire les bonnes choses. Je voudrais juste rappeler que dans la vie, tout ce qu'on fait, rien n'est jamais perdu. Quand vous faites du mal, vous récoltez du mal. Quand vous faites du bien dans la vie, vous récoltez du bien. Et sachez que nous qui avons décidé de prendre la parole ici sur la toile, on est sujet à beaucoup de choses. À des railleries, à des moqueries, à des épithètes qui n'ont rien à voir avec notre vie. Tout simplement parce que il y a une bande de personnes qui aiment ce jeu-là, et qui se plaisent à le faire. Mais ce que ces gens ont oublié, c'est que
il y a une minorité silencieuse de l'autre côté qui observe, qui fait les bonnes analyses et qui en tire ce qu'il faut en tirer. Donc, quand vous prenez la parole sur la toile, essayez de faire du bien. Essayez d'aider. Ne prenons pas la parole pour détruire. Ne prenons pas la parole pour séparer. Ne prenons pas la parole pour diffamer. Prenons la parole pour les bonnes œuvres. Vous savez, j'ai été ébloui, stupéfait, stomaqué cet après-midi par des paroles. Je ne m'attendais pas. On a toujours l'impression qu'on est tellement diabolisé que quelquefois, quand ça vous arrive, vous vous dites « Ouf !» En plus, ça vient de la gente féminine. C'est important. Ça fait chaud au cœur. Quand vous êtes interpellé par une femme qui vous dit « Monsieur Messan, restez comme vous êtes. Ce que vous faites, ça me plaît. Vous êtes le modèle de mon mari. Votre femme est mon modèle. Je vous suis depuis plus de 10 ans. Restez tel que vous êtes. » Quand ça vient d'une femme, franchement, ça fait chaud au cœur. Et je veux vous dire, toutes ces personnes qui ne se manifestent pas, parce que quelquefois on se met en direct, on a du monde, il y en a qui viennent, qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas, mais il y en a qui ne viennent même pas du tout, ou alors qui nous regardent par la fenêtre, ou alors qui nous regardent après le direct, parce qu'elles veulent rester vraiment silencieuses. Mais cet après-midi, vraiment, j'ai eu chaud au cœur. Je suis passé par Bâle. J'ai été faire les courses à Bâle cet après-midi. J'étais avec mon fils. On se baladait dans les rues de Bâle. Vous savez, Bâle, c'est ma ville de cœur. J'ai tout fait à Bâle. J'ai tout eu à Bâle. Mes premiers sous, c'est à Bâle. C'est-à-dire, ma vraie vie, quand je dis la vraie vie active, c'est à Bâle que je l'ai commencé. Et Bâle, pour moi, c'est une ville de cœur. Et quand j'y arrive, je connais les ruelles, les petites... Vous savez, je suis à 15 minutes de Bâle, mais je peux faire 6 mois, 7 mois sans mettre pied à Bâle. Parce que très souvent, voilà, il n'y a pas grand-chose qui m'attire là-bas. Juste pour aller à mon travail, donc je passe par l'autoroute et puis mon travail à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire les courses. Et figurez-vous, je suis tombé dans un magasin exotique. Parce que ma femme avait besoin de me faire quelque chose de bien, comme d'habitude, le week-end. Donc, elle m'a commissionné comme ça. Je suis sorti pour aller faire des courses. Et je tombe dans un magasin. Un magasin que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais été là-bas. Je suis rentré là à tout hasard. Oh, monsieur Messan! Monsieur Messan! Il faut appeler ma maman. Ma maman vous adore. J'ai dit, oh! Monsieur Messan, ce que vous faites est bien. Restez comme vous êtes. Je vais vous donner le nom du magasin. Pour vous dire que je ne mens pas. Hein. Vous, les Balois, vous pouvez aller vérifier. Hein. Le magasin est à la Webergasse 22. À Bâle. Webergasse 22. Et le magasin s'appelle Mamushka Ladri. Lebensmittel. Webergasse 22. Allez-y. La tenancière, je pense, c'est Marie-Thérèse Assomo. Voilà. Marie-Thérèse Assomo. Je suis arrivé dans ce magasin. Je vous jure, mon fils était... La dame a fait des prières sur mon enfant. Il me dit, monsieur Messan, quand cet enfant est né, j'ai vu. Je vous suis depuis 10 ans. Ton fils Azaël, il a 9 ans. Parce que ma fille a 8 ans. J'ai accouché juste après votre femme. Et restez comme vous êtes. Votre femme nous impacte. Quand elle prépare, moi, je n'ai pas honte de le dire. Il y avait plusieurs femmes. Hein. Elle dit à chaque fois, les recettes de votre femme, je reproduis les mêmes. Mon mari vous apprécie. C'est un Camerounais. Mon mari aime ce que vous faites. Et quand vous faites ce que vous faites, c'est normal que vous ayez des gens qui n'aiment pas. Mais je vous dis, je suis une femme. Je ne vous ai jamais interpellé. C'est à tout hasard que vous venez ici. Mais je vous regarde depuis longtemps. Et sachez que vous avez des vraies femmes derrière vous.
Cette femme a voulu que je reste, mais j'étais un peu pressé parce que je voulais. Voilà, j'avais le direct et puis j'avais plus. Elle me dit, monsieur méchant, vous ne pouvez pas sortir d'ici sans boire quoi que ce soit, quelque chose. Je dis, mais non, je lui ai dit, ok, donnez-moi un café. Elle m'a donné un café. Elle a fait des cadeaux à mon fils, beaucoup de cadeaux. Et elle m'a dit, prends ce ruinard pour la star méchante. Dites à cette femme que les femmes comme elle, ça n'existe plus. Ou alors ça n'existe presque plus. Je vous dis, allez à la Webergas. Vous qui êtes à Bâle, à la Webergas 22. Mamouchka, j'étais là-bas cet après-midi, dans les environs de 16 heures. C'était terrible. C'est-à-dire, il y a même des Congolais qui sont venus. Oui, monsieur, on vous connaît. C'est bien. Faites comme ça, restez comme vous êtes. Quand les femmes vous apprécient, vous savez, dans la vie, les gens m'ont toujours demandé pourquoi tu es... Quand tu es entouré des femmes, tu as une certaine sécurité. Il n'y a rien de plus sécurisant que d'avoir la femme autour. Parce que la femme a ça, mais la vraie femme, hein, pas la femme qui veut détruire, pas la femme qui veut faire du mal, la femme qui a le cœur pour l'amour, la femme qui a le cœur pour aimer. Quand elle te dit quelque chose, il faut l'écouter. Alors je voudrais dire à cette bonne dame que vraiment, comme je l'ai dit au magasin, merci beaucoup. Très souvent, on a l'impression que le message, quelquefois, n'est pas bien passé, mais pourtant, c'est la gente féminine, silencieuse, qui capte le vrai message et qui comprend ce qu'on a envie de dire. Donc je voudrais dire à ces personnes qui sont silencieuses, et qui nous renvoie c'est-à-dire cette force positive qui prie pour nous. Cette dame m'a dit, monsieur Messan, je prie pour vous. Je suis une chrétienne. Je dis encore pour les Balois, allez-y à ce magasin. Posez la question. J'étais là à 16h avec mon fils, à la Webergas 22. C'est pour vous dire que la famille, quand vous faites du bien dans la vie, n'écoutez pas ce que les gens font. N'écoutez pas ce que la manne négative dit. Non. Quand vous êtes right, restez comme ça. Quand vous n'êtes pas dans des conflits qui ne servent à rien. Quand vous dites des choses avec votre cœur, faites-le. Peut-être que vous n'avez pas tout de suite du monde qui vous dit c'est bon, mais vous avez des gens autour de vous. Vous avez des gens qui aiment le message. Donc je voulais dire encore une fois de plus merci à cette dame. Et merci à toute cette gente féminine silencieuse qui voit de loin, qui apprécie et qui de temps en temps pose les actes qui font chaud au cœur. Encore madame, je veux dire toutes ces dames-là, la tenancière du magasin et cette dame que j'ai rencontrée dedans et tous ces Congolais et Congolaises qui étaient là-dedans. En tout cas, je vous dis merci. Ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi et qu'on est suivi de façon positive et que le message qu'on donne très souvent est très bien écouté, entendu et même appliqué. Je voulais dire cela. Je voulais aussi dire ceci. Les PTT sont un mouvement. C'est-à-dire, comment appeler ça? Un groupe de personnes qui a décidé de faire du bien. Qui a juste décidé de faire du bien. Et de ne rien entendre en retour. Est-ce que vous me comprenez? Les PTT sont un groupe de personnes. Ils ont décidé de faire du bien. Parce que Dieu leur a donné, fait grâce de vivre en Europe, d'avoir un boulot et de pouvoir aider les autres. Et je suis fier. Et je me répète encore. Cette année, on a sorti 6 millions de francs. Parce qu'on a voulu aider. Et parce qu'on a aidé. Et c'était le cœur de tous les PTT. Ça veut dire que ce qu'on gagne à la fin du mois, on a sorti ça de notre poche, sans rien attendre en retour, on a donné. On a été à l'hôpital du district de Lokbaba, vous avez vu, on a donné. On a été à un orphelinat à Boumiébel, on a donné. On a été au marché de Ndokoti, on a donné. Et je pense que la plus grosse œuvre, ou alors le plus gros don, que nous avons fait cette année, c'est ce que nous sommes en train de faire à IDEA. Parce que quand tu construis un toit pour quelqu'un, il n'y a rien de plus précieux que ça. Vous avez vu les photos et les travaux vont bon train.
Les PTT sont en train de construire une maison pour M. Boumtier à Edea. Oui, l'argent de notre souffrance. Oui, on a dit que 2024, c'est les actes qu'on pose. On ne parle plus. On n'est plus dans le tchotchori. On n'est plus dans des histoires à deux balles. On a décidé de rester positif et de poser des actes positifs. Bientôt, Boumtier va intégrer sa maison. Maison construite par les PTT. L'argent de nos efforts personnels. Boumtier n'est la famille de personne au sein des PTT. Il n'a aucune affinité dans les PTT. C'est un pauvre monsieur qui s'est retrouvé dehors parce que la tornade a emporté sa maison. Quelqu'un qui est aveugle, il n'a aucune aide. Vous savez, au Cameroun, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a rien. Alors, il a contacté les PTT et on a décidé de venir en aide. Et nous sommes en train de le faire. Et vous allez vivre ça ici en direct. On n'est plus dans le tchotchori, on est dans poser les actes. 2023, c'est les actes qui parlent. 2024, pardon, c'est les actes qui parlent. On n'est plus dans le Congo, ça, on n'est pas au quartier. Dans les PTT, je vous demande une fois de plus, cette année qui commence, doublez d'ardeur. De toute façon, nous sommes un mouvement tellement circoncis, tellement interne. Nous nous respectons. C'est les autres qui parlent de nous. Nous-mêmes, nous sommes là. Le noyau, nous faisons ce qui a lieu de faire. Et ceux qui n'y connaissent pas en parlent. C'est ce qu'on appelle un grand mouvement. C'est ce qu'on appelle un grand mouvement. C'est un peu comme les grands hommes. Ce n'est pas les grands hommes qui parlent, mais c'est d'autres qui parlent pour les grands hommes. Dans les PTT, je voulais vous dire, restons focus. De toute façon, vous savez ce que je sais. Cette année, cette semaine qui a commencé, on a été contacté par un champion du Cameroun. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Je parle des PTT. On n'est pas au quartier. On a décidé de faire du bien. Et ceux-là qui ont besoin de nous viennent vers nous. Je vous rappelle qu'on a dans nous tous un champion du Cameroun qui a besoin de notre aide. Un champion du Cameroun qui est qualifié pour les Jeux Olympiques et qui est humblement venu demander de l'aide auprès des PTT. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Ça veut dire que notre œuvre est en train de marcher. Ça veut dire que ce que nous avons commencé est en train de donner les fruits. Parce que quand on voit des personnes de cette envergure se rabattre maintenant vers les PTT, je vous rappelle que c'est un champion du Cameroun qualifié pour les Jeux Olympiques. Qualifié pour les Jeux Olympiques. Qualifié pour les Jeux Olympiques. Nous, on ne dit pas n'importe quoi. Il a besoin de nous. Et je voulais le rassurer que son dossier est en étude. Que les PTT se sont penchés sur son dossier. Je vais vous montrer quelques images. Parce qu'on n'est pas au quartier. Nous, on parle et on pose les actes. Je vous rappelle encore, je vous dis, c'est un champion du Cameroun et qui est qualifié pour les Jeux Olympiques et qui est bloqué et qui appelle les PTT au secours. Et nous allons nous lever pour lui parce que nous avons décidé d'aider ceux-là qui n'en ont pas. Ok? Vous allez voir le champion. Peut-être que vous n'allez pas entendre ce qu'il dit parce que c'est très bas. Et là, ce champion a été rencontré, notre PTT, que vous voyez ici. Ça, c'est l'une de nos PTT. Voilà le champion. Voilà.
Voilà. Je vais vous remettre ça un peu pour... Bonjour, bonjour la grande famille de TTT. Je suis ici avec Lucien Yampao, qui a fait le déplacement depuis Yaoundé pour venir me rencontrer, car il a vraiment besoin d'aide. Donc je vais vous le passer, il va vous dire de quoi il s'agit. Lucien Yampao. Bonjour à la grande famille. Moi, je suis Lucien Yampao, je suis allé pour le voilà, vous avez compris. Nous, on n'est pas au quartier, on n'est pas dans le tchotchori. On a décidé d'aider. Et nous, on va aider. Voilà un champion du Cameroun. Je vais vous donner son CV. C'est pas n'importe quel champion. Je vais vous donner son CV. Il a les diplômes. Il a des attestations. Il a prouvé. Mais il est en manque. Après avoir parcouru partout, personne ne veut venir en aide à ce monsieur qui est paraplégique. À ce monsieur qui est qualifié pour les Jeux Olympiques. Il est paraplégique. Mais il se bat. Ce monsieur s'appelle Yampao Jules. Il s'appelle Yampao Jules, celui que vous avez vu là. Champion du Cameroun. Je dis qu'il est paraplégique. Il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Écoutez les attestations de ce monsieur qui est venu contacter les PTT. Le PTT, c'est pas un mouvement de quartier. On a posé les actes, aujourd'hui ils ont vu, et ceux qui en ont besoin viennent vers nous, et on étudie le dossier, et on fait ce qu'il y a lieu de faire. La première attestation vient de la Fédération camerounaise des sports pour déficience physique. Attestation. Il a participé au tournoi Chanaf en 2021, organisé par Jacques Yori Onana en athlétisme. Il a été reconnu participant engagé. Il a eu cette attestation. Athlète engagé par la région du centre, saison 2021. Tournoi organisé par Jacques Yori Onana. Numéro 2, deuxième tournoi. Il a participé en 2021 au tournoi à Tangana Will Chen de basketball, connu comme athlète engagé. Ce tournoi s'est tenu entre le 13 et le 16 octobre 2021 à Yaoundé. Et comme c'est un battant, il ne se laisse pas faire. Il se dit que dans la vie, il faut se battre. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'ai besoin des cœurs. Envoyez les cœurs. Quand on parle des bonnes choses, il faut envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. C'est important. Envoyez les cœurs. Et comme c'est un battant, il a dit qu'il ne reste pas les bras croisés. Monsieur Jules a fait une formation professionnelle en secrétariat bureautique sur les modules. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Monsieur Jules, Yamboué Jules, a fait une formation professionnelle en secrétariat bureautique sur les modules. Word, les modules Word, Excel, Publisher, Page Maker. Écoutez, hein. Word, Excel, Publisher, Page Maker. Il a eu une mention bien. 14,33 sur 20. Ce monsieur est paraplégique, séquelaire de poliomyélite. Paraplégique, séquelaire de poliomyélite. Vous savez, ces gens qui jouent avec les chaises, qui font tout sur les chaises. Il est champion du Cameroun. Et qualifié pour les Jeux Olympiques. Je vais encore vous donner son nom.
Monsieur Yampa Wo Jules, il fait partie de la FECASDEP, dont la Fédération Camerounaise des Sports pour Déficience Physique. Il a toutes ses attestations. C'est l'occasion aussi par laquelle je vais interpeller la Fédération. Je voudrais dire, ce genre de personnes, il ne faut pas les aider, il ne faut pas les laisser à la traîne. Nous avons contacté quelques membres de cette fédération, de ce ministère. On nous a dit d'attendre, on n'a pas encore touché à la bonne personne, mais nous aussi, les PTT, nous allons faire notre part, et même une grande part, parce que nous allons commencer à amener le ministère de tutelle à se pencher sur son cas. Parce qu'il doit participer aux Jeux Olympiques. Voilà ce qu'on a décidé de faire cette année. Ce genre de bonne cause. On n'est plus au quartier. On a décidé de faire des vraies choses. Et nous vous reviendrons sur le cas de Jules et sur cette maison qui est en train de finir du côté des DEA. Je voulais juste introduire par là, en attendant que les femmes se connectent et que les femmes écoutent ce soir ce que d'autres femmes ont envie de dire. Donc ces femmes qui étaient prévues se connecter ce soir, je voudrais qu'elles m'envoient leur demande, parce qu'on est bien parti par le temps, on est excessivement parti et exagérément parti par le temps, parce que là, les cœurs commencent à battre du côté d'Abidjan. Nous ne devons pas rater ce rendez-vous, surtout que on nous a promis, les Abidjanais nous ont promis beaucoup de choses pas bien. Donc, nous allons tout de suite prendre les premières femmes qui vont se connecter. Mais je voulais déjà dire ceci, voilà, il y a une femme qui se connecte là. Ça ne joue pas. On attend la connexion de ces femmes. Alors, le débat ce soir, c'est quoi? C'est que, en couple, la vie n'est pas facile. Il y a des femmes qui sont en couple par obligation. Il y a des femmes qui restent en couple parce qu'elles ont des enfants. Il y a des femmes qui ne jouissent pas de l'amour de leur partenaire. Il y a des femmes qui font des choses aujourd'hui dans leur couple parce qu'elles n'ont pas où aller. Mais finalement, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait vivre? Est-ce que la vie à deux, c'est une vie de souffrance? Est-ce que la vie à deux, c'est une vie de galère? Est-ce qu'on vit pour faire des enfants? Est-ce qu'on vit juste pour vivre? Est-ce que quand on ne peut plus rester auprès d'un homme par amour et vice-versa, hein? Vous allez m'excuser de parler, mais je parle des deux côtés. Est-ce qu'on est obligé de rester ensemble même si on ne s'aime pas? Je ne pense pas. Vous savez, tout au long de cette semaine, justement, Lovanyembe, j'attends ta demande, je ne l'ai pas encore reçue. Moi, je ne sais pas comment on invite les gens. Envoie-moi ta demande, je ne sais pas s'il faut cliquer dessus. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut envoyer la demande. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe là. Je vois que tu as dit bonjour. Je ne sais pas comment ça se passe. Je crois qu'il faut envoyer la demande, hein, s'il te plaît. Envoie la demande. Donc, je disais, les femmes se plaignent pas mal des hommes. Les hommes se plaignent pas mal des femmes. Mais tout bizarrement, ces personnes continuent à vivre ensemble. Ces personnes continuent à partager le même toit. Quelquefois, on dit à cause des enfants. Quelquefois, on dit à cause du matériel. Quelquefois,
On dit parce qu'on n'a pas où y aller. Et puis voilà, ça fait que les gens se meurent tout doucement. Les femmes deviennent, comment dire, des fleurs dans les maisons. Les maris n'ont plus du tout le temps à accorder à leurs femmes qu'elles ont aimées peut-être hier, en faisant même quelquefois beaucoup d'enfants. Mais au final, on se rend compte que deux étrangers vivent dans la maison. Deux personnes qui n'arrivent plus à discuter vivent dans la maison. Moi, j'ai toujours dit, et je me répète, la vie à deux, c'est une vie de beaucoup, beaucoup de concessions. La vie à deux, c'est une vie d'énormes concessions. On ne peut pas être dans une vie à deux comme on est sur un combat, je sais pas, sur un ring de combat. La vie à deux, on doit se comprendre. La vie à deux, vous savez, c'est pas facile de vivre. Il y a toujours cette incompatibilité, mais on doit travailler. On doit se travailler. Se travailler, c'est quoi? C'est faire des concessions. On ne peut pas être toujours en train de se battre. Voilà, je vois Pavlik Patricia qui est là, qui peut déjà envoyer sa demande aussi, ou Lova, qui peut envoyer sa demande. Alors, je disais, moi je prends toujours mon exemple. J'ai toujours dit, si aujourd'hui je vis la vie que je vis, qui me plaît énormément, parce que comme je le dis très souvent, j'ai rencontré la femme la plus belle, la plus tendre, la plus amoureuse, la plus femme. Ça veut dire qu'elle a toutes les facettes de femme. Et ça, je pense qu'on ne le rencontre que quand on a vécu, quand on a accumulé pas mal d'expériences, quand on a vécu beaucoup de choses avant. Parce que la jeunesse qui se lance aujourd'hui dans le mariage, c'est un peu compliqué. Parce que quand on est jeune, moi je me remets très souvent à leur place, parce que je sais comment j'étais quand j'avais 20 ans. Il y a des choses qui ne passaient pas dans ma tête. Je peux comprendre que ces jeunes, certaines choses ne passent pas dans leur tête. Mais est-ce qu'on est obligé de se marier? C'est vrai qu'aujourd'hui, certains parents poussent des enfants à se marier parce que voilà, tu as 20 ans, tu as 25 ans. Ta maman, tes parents te disent il faut à tout prix se marier et pourtant dans la tête on n'est pas prêt. Moi je crois que le mariage, je crois que la vie à deux, il faut être prêt. Il faut accumuler beaucoup d'expériences. Il faut même accumuler beaucoup d'échecs. Parce que c'est dans l'échec qu'on se construit. Ça veut dire que quand on a rencontré une femme, quand on a rencontré deux femmes, on sait exactement ce qu'on doit faire avec la troisième femme. On ne peut pas faire deux, trois mariages et puis ne pas comprendre où est le problème. Parce que quand deux personnes se séparent, ça vient toujours des deux. Il y a jamais, on ne peut jamais dire non. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais eu tort, ceux qui pensent que le tort est toujours pour les autres, eh bien ça ne peut même pas vous aider à construire une vie. Parce qu'à un moment donné, il faut se mettre devant la glace et se poser des vraies questions. Et se demander où vient le problème? Qui est le problème? Et moi, je pense que quand on n'a pas encore atteint ce cap, c'est un peu compliqué de faire quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que dans la vie, il faut accumuler beaucoup d'échecs pour vivre sa vraie vie. Parce que nos femmes, finalement, elles attendent quoi? Toutes les femmes, elles te diront « j'attends de l'amour ». Mais est-ce que cette femme donne autant d'amour? Parce que pour donner ce que tu as, il faudrait que tu reçoives quelque chose. Quand tu reçois de l'amour, c'est clair que tu le renvoies. Mais en même temps, il y a des personnes qui, décidément, eh ben, veulent juste faire du mal aux autres, que ce soit les femmes ou les hommes. C'est-à-dire, tu lui donnes autant d'amour, il n'y a pas de retour. Tu fais tout ce que tu as à faire. Mais à ce moment-là, il faut juste se séparer. Comprenez? Parce qu'on ne peut pas vivre parce qu'on a peur de l'échec,
parce qu'on a peur que les gens diraient que, parce qu'on a peur que les gens penseraient que, non. Si on vit par rapport aux gens, par exemple, nous qui avons décidé de prendre la parole devant les gens, on ne va pas parler, on ne va pas faire des choses parce qu'il y a des petits mouvements à gauche, à droite, non. On doit avoir son mindset, on doit avoir son idée, on doit avoir sa détermination, on doit savoir ce qu'on vient dire aux gens. Et on ne doit pas balbutier quand on le dit. C'est pas parce que 5000 personnes à côté crient qu'on pense que non, on peut les ignorer et faire ce qu'on a envie de faire. Et moi, je pense que l'amour aussi, c'est comme ça. Quand tu rencontres une personne, et moi, je fais partie de ceux qui le disent, on vit à deux, pas à trois. On vit à deux et pas à trois. Ça veut dire que je fais partie de ces hommes qui pensent que quand tu as une femme, elle doit être ton amie. Elle doit être ta complice. Elle doit être tout pour toi. Et vice versa. Et je fais partie de ces hommes qui pensent que on n'a pas besoin d'avoir plusieurs comptes bancaires. Ou alors, même si on a plusieurs comptes bancaires, ben, on a le droit mutuellement de visiter ces comptes bancaires. Je fais partie de ces hommes qui pensent que une femme ou un homme ne doit pas avoir une confidente ou un confident. Le meilleur confident ne peut être que son mari. Le meilleur confident, la meilleure confidente ne peut être que sa femme. Je pense que quand on a éliminé toutes ces choses-là, on peut constituer un très bon mariage. Parce que dans notre culture africaine, et pas seulement africaine, dans la culture en général, les amis peuvent vous créer des problèmes. La famille peut vous créer des problèmes. Et quelquefois, celle que tu penses être ta bonne amie ou ton bon ami n'est peut-être pas fière de ce que tu vis et te crée des problèmes. Je vais vous faire une anecdote. Une femme, un ami qui aime son ami ne peut pas le trahir. J'ai vécu il n'y a pas longtemps dans un couple où la meilleure amie de la femme a été dire à sa copine que ton mari aurait une relation avec elle. C'est pas une amie. Ça, c'est juste quelqu'un qui est venu vous détruire. Ça, c'est juste quelqu'un qui est venu vous séparer. Ça, c'est quelqu'un qui était avec vous, mais qui n'aimait pas votre relation. Ça, c'est quelqu'un qui est en manque de tout ce que vous aviez ou de tout ce que vous faisiez. Un bon ami donne des conseils. Un bon ami vient vers son ami. Quand tu te rends compte qu'elle est en train de déconner, tu lui dis stop. Tu peux pas faire ça à mon ami. Mais quand tu prends l'initiative d'aller dire soit au mari, soit à la femme, c'est parce que tu veux les séparer. C'est un peu comme ce qui se passe sur la toile, où les gens prennent le vilain plaisir à raconter des inepties, des âneries, qui quelquefois tombent dans les oreilles de certaines personnes fragiles et même très faibles, et bien qui réagissent dans leur quotidien ou au sein de leur vie. C'est un peu ça. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas une base très solide. Parce que quand tu as confiance à ta femme ou à ton homme, quand on vient te dire des choses concernant ton homme ou ta femme, il n'y a aucune invitation ici. Lova, je vois aucune invitation. Il n'y a aucune invitation ici, Lova. Franchement, je n'ai aucune invitation de toi ici, Lova. Aucune. Je ne vois pas d'invitation, l'invitation c'est en rouge, il n'y a rien du tout. Donc je disais, ce genre de personne, de comportement, c'est quelqu'un qui vous en voulait. C'est quelqu'un qui était là pour un but. C'est quelqu'un qui est venu avec un but bien précis. Parce que moi, mes sens, déjà les amis, vraiment amis, amis, j'ai des connaissances. Amis, amis, je ne connais plus depuis que j'ai rencontré la star, mes sens. Moi, mon ami, c'est la star, mes sens. Quand j'ai rien à faire avec elle, eh bien, je dors chez moi. Moi, je ne visite pas les gens. Moi, je ne sors pas pour rendre visite. Quand je sors avec ma femme. Je ne sais pas aller au bar. Déjà que même plus jeune, j'ai toujours été tellement casanier. Moi, on est toujours venu chez moi. Je ne suis pas le mec qui se balade comme ça. Moi, j'adore. Je pouvais rester allongé chez moi dans ma chambre à zapper la télé. Hein. Ceux qui ont vécu avec moi me connaissent. Donc, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il n'y a rien qui ferait que le samedi ou le week-end où je dois être avec ma femme et mes enfants, que j'ai le plaisir d'aller rencontrer un ami.
Parce qu'en semaine, on sait comment ça se passe. Moi, je vais vous dire une chose. Ici, chez moi, c'est moi qui emmène mes enfants à l'école. Parce que mes enfants se réveillent à 6h. Et à 6h30, au plus tard, à 7h moins l'écart, je dois les déposer à l'école. Au plus tard, à 7h moins l'écart, je dois les déposer à l'école. Parce que ils ont déjà ce qu'on appelle des pré-cours. Oui, parce que oui, les enfants, c'est comme ça qu'on les éduque. Faut pas regarder ce qui se passe sur Facebook. Ces hommes, ces gens qui sont perdus à raconter des âneries à longueur de journée. Oui, c'est comme ça que ça se passe. À 7h moins l'écart, les enfants du couple Messan sont à l'école. Ils ont ce qu'on appelle des pré-cours. Avant que l'heure de l'école, 7h30, sonne, pendant une heure, ils ont d'abord étudié. C'est comme ça qu'on prépare les enfants. Ils ont d'abord étudié. Et figurez-vous que, comme je rentre très tard, moi, mes enfants, quand ils me font la bise le matin, je vous jure, ciel, Dieu m'est témoin, tous les matins, et je voudrais que les parents, c'est un conseil que je donne, et c'est un conseil qui marche, et c'est des choses qui marchent. Quand vous allez déposer, si c'est vous qui déposez vos enfants à l'école, ou alors, si vous sortez en même temps que les enfants, faites-vous imposer les mains par vos enfants. Moi, tous les matins, quand je vais déposer mes enfants à l'école, il me pose la main et dit, papa, que Dieu te protège. Papa, que rien ne t'arrive dehors. Les trois. Oui. C'est comme ça qu'on prépare les enfants. Mes enfants savent que le matin, ils ne peuvent pas aller à l'école sans m'imposer les mains. Jamais. Pourquoi? Parce que moi, quand je rentre le soir, je vais faire bisous à mes enfants. Ils dorment déjà quand je rentre. Mes enfants dorment à 19h. Réglés comme c'est-à-dire comme la montre, je ne sais pas quoi. À 19h, ils dorment. Donc moi, quand je m'emmène à 21h, 22h, ils sont très loin. Je fais juste bisous en dormant. Et puis, on se revoit le matin. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce genre de vie où vous n'êtes presque pas avec les enfants. Quand ils rentrent le soir, avant de dormir, maman, dont ma star, m'appelle toujours en vidéo. Je fais bisous aux enfants. C'est ça l'éducation. Ne voyez pas ces gens qui flagonnent sur Facebook à raconter des conneries. Parce que quand on... C'est-à-dire, l'éducation qu'on donne à ses enfants, ça reflète ta personne. Regardez des personnes sur la toile, vous comprendrez l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. Et regardez quelquefois ces enfants, quand ils apparaissent même furtivement à l'écran, regardez leur comportement. Mes enfants savent dire merci. Mes enfants savent dire s'il te plaît. Mes enfants savent dire au revoir. Ça, c'est l'éducation. Et ça commence dès le bas âge. Je dis tous les matins, ils me mettent la main, les trois. Ils mettent la main sur ma tête. Et vous croyez qu'un week-end, je vais prendre le plaisir d'aller rencontrer des amis? Pourquoi faire dehors? Ce matin, cet après-midi, j'avais le plaisir de courir la balle avec Azaël. Quand cette dame-là nous a interpellés, ça c'est un plaisir d'aller faire les courses avec lui et de revenir à la maison. Je ne traîne pas. Et tout ça fait partie des choses qui cassent le coup. Un mec ne peut pas sortir toute la semaine et le week-end, il décide d'aller retrouver les amis. Un peu comme ce soir, il y a match du Cameroun là. Il est quelle heure? Il est 20h25. Et quelqu'un te dit, je m'en vais regarder le match avec mes amis. Parce que je vais boire là-bas. Mais ça, c'est des conneries. Bon, il y a des femmes qui l'acceptent. Mais je vais dire, tout ça n'arrange pas la situation dans un couple. Moi, je fais partie de ceux qui continuent à dire, une femme et un homme doivent être comme ça. Il n'y a aucun secret. C'est ton meilleur ami, c'est ta meilleure copine, c'est ta meilleure confidente. Vous devez tout faire ensemble. Que ce soit sexuellement parlant, moi je suis contre ces hommes et ces femmes qui tentent ton mec ou ta femme te parle. Déjà, il faut être ouvert dans le couple. Déjà, il faut parler. Parce que quand vous ne parlez pas, vous êtes coincé.
Et quand vous êtes coincé, ça vous crée des problèmes. On est aujourd'hui au 21e siècle. C'est-à-dire, même les enfants, je vais dire nos enfants qui vont à l'école. Vous avez vu tout ce imbroglio là qui s'est passé en début d'année où on a imposé des cours sexuels aux enfants primaires, de l'école primaire. Donc, pour vous dire que on commence déjà à parler de sexe aujourd'hui à nos enfants à l'école. Alors, pourquoi vous, les adultes, vous vous réservez de ne pas en parler? Vous devez en parler. Je suis contre ces parents ou ces femmes ou ces hommes qui n'arrivent pas à parler de façon très à l'aise de sexe avec leur partenaire. Ou alors ces femmes ou ces hommes, quand ton mec te propose quelque chose, tu lui dis c'est la sorcellerie. Ça c'est la pire des choses. On peut ne pas être prêt à certains exercices sexuels, mais on ne renvoie pas la personne. Tu dis à ton partenaire, ok, j'ai compris. On va en reparler. Mais tu ne dis pas non, tu es sorcier. Non, ça c'est les sectes. Mais non. Une femme doit être une femme. C'est-à-dire, quand on appelle femme, la vraie femme c'est quoi? C'est celle-là qui est cette femme de sortie. C'est celle-là qui peut devenir cette femme cochonne salope. C'est cette femme-là qui peut se transformer pour faire plaisir à son homme. Je n'ai aucune invitation ici. Je n'ai aucune invitation. C'est cette femme-là qui se transforme. C'est-à-dire, elle doit... Attendez, quand je ne sais pas pour les autres, hein, pour nous qui sommes allés à l'église. Et il y a quelqu'un qui le disait lors du dernier direct, quand on se marie à l'église, ce n'est pas pour divorcer. Et même, je vais dire, même à la mairie, normalement, on ne se marie pas pour divorcer. Et quand on te dit que ça, c'est la chair de ta chair, ça, c'est le sang de ton sang, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite entre vous. Vous êtes seulement appelé à vous comprendre. Vous êtes appelé à discuter de tout. Vous êtes appelé à mettre les problèmes sur la table et de parler en détail. Et je peux vous dire que le sexe, c'est 80%. Certaines femmes ont même dit 90% pour la réussite d'un mariage. Parce que sans ça, il y a des choses qui ne marchent pas. Je vais dire même psychologiquement parlant, un mec qui ne jouit pas ou une femme qui ne jouit pas, mais vous voyez des séquelles. Ces personnes ne sont pas pareilles. Une femme qui n'est pas amoureuse, ça se voit. Une femme qui est épanouie dans son mariage, ça se voit. On parle du mariage, mais je veux dire avant le mariage, il y a la relation. On commence par le copinage. Donc tout ça, il faut un fondement. Et quand vous avez assaini votre fondement, qu'est-ce que les gens externes? J'ai justement une invitation qui vient d'arriver, mais là il est 20h30. Hein. Voilà, Coach Lova, c'est maintenant que ton invitation arrive. Accepte-la s'il te plaît, parce que là vraiment, eh bien, on est à la bourre là. On est à 30 minutes du match, là c'est en train de mouliner. Moi je voulais dire, cette femme, ces hommes, ah ben voilà, oh là là, la gracieuse Lova. Mais tu es sûr? Bonsoir. Tu es sûr que c'est à moi que tu envoyais l'invitation? Eh ben, j'étais là avec Star au téléphone. Elle a vu comment je vais dire ça? Elle a vu la demande que j'ai faite. Il refusait l'Ovanimba, je ne sais pas pourquoi. Ah ok, ben voilà. Donc, je sais pas, j'espère que tu m'as suivi. Et puisqu'on est parti, vraiment, on est à la bourre là. Je vais dire directement te donner la parole. J'espère que tu as compris tout ce que j'ai dit. Et je ne sais pas si tu voudrais qu'on passe à poser des questions ou je ne sais pas moi. Oui, parce... les questions. Moi, j'ai beaucoup de questions pour toi. Bonsoir, mon cher grand. Alors, vas-y, je te donne la parole. Vas-y, oui, moi, j'ai beaucoup de questions pour toi. Tu vois, tu as dit des choses tellement, tellement intéressantes sur le couple, sur être heureux ou heureuse et épanouie en couple. Est-ce que tu es toujours là? J'ai l'impression de parler seule. Et moi, quand je parle seule, je suis gênée. J'attends que tu... Je suis là, je ne t'en fais pas, je suis là. Ok. Je suis avec... Donc moi,
Non, j'ai une question pour toi, tu sais, parce que tu touches un sujet sensible, un sujet dont les hommes se plaignent, un sujet dont les femmes se plaignent, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé ton témoignage hier matin sur ta rencontre avec la star. J'ai même commencé à te poser des questions. Il y a Monica Jazz qui dit qu'elle aussi, elle a fait une demande. Monica, je n'ai pas vu ton invitation. Essaye juste de renvoyer vite fait, comme ça on va faire avec, s'il te plaît. Je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas ce Donc, qui se alors, passe moi, avec la mon question. téléphone, mais je n'ai pas eu cette invitation. Excuse-moi, alors, vas-y. C'est grave. Alors, moi, la question, s'il y avait un homme qui t'écoutait ce soir, tu vois, parce que tu as parlé de des gens qui rentrent dans un couple pas vraiment déterminés à bien faire, tu vois, un peu, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une relation, ils savent qu'ils viennent jouer, ils savent qu'ils sont des players, et ça va dans les deux côtés, hein. C'est pas juste les hommes, les femmes aussi. Mais comme tu es un homme et que j'ai des questions et que moi, j'aime poser des questions, je veux savoir. Qu'est-ce que tu conseilles donc aux femmes de faire? Parce que parfois tu rencontres un gars et il te plaît vraiment, quoi. Même si tu sens qu'il est player, même si tu sens qu'il est bad boy, comme on dit, il te plaît vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'après, on sait aussi que dans la vie, on a rencontré, il y a des femmes qui ont rencontré des hommes qui venaient s'amuser et qui sont calés, comme on dit. Right? Donc, à quel moment on rentre? Pour essayer, pour espérer qu'il va s'accrocher, il va s'attacher, il va rester, ou alors on n'essaye pas du tout. Je veux dire, quel conseil tu donnerais à une femme qui est dans une situation pareille, qui t'écoute? Je n'ai pas très bien capté ta question. Je La femme est recommence. dans quelle situation? Tu sais Elle est que avec quelqu'un. tu as un problème avec moi. Quand tu parles très vite, là, je ne comprends plus rien. Vraiment, vas-y, mollo, mollo, et puis je vais bien te comprendre. Je vais essayer de parler vraiment, vraiment lentement. On parle de couple, n'est-ce pas? On parle des gens qui rentrent dans les relations et qui finissent par se casser la gueule. Right? Et parce que parfois, la personne avec laquelle elle est, la personne en face n'est pas prête. D'accord? Elle n'est pas prête. Donc, parfois, c'est le gars qui est player. Parfois, c'est la fille aussi. OK? Mais comme toi, tu es un garçon et tu nous as raconté encore hier comment tu as rencontré la star, comment tu t'es déterminé, comment tu as décidé de te caser. Tu vois, il y a des hommes, on a tous entendu des histoires des hommes qui partaient s'amuser avec une femme et qui sont restés. Tu vois, donc une femme qui rencontre un gars, le gars lui plaît, parce que nous les femmes, on a quand même une intuition très forte. On peut savoir si le gars veut être sérieux ici, si il veut s'amuser. Donc parfois tu sens qu'il n'est pas sérieux, tu sens qu'il veut s'amuser, mais parfois aussi, tu te dis, je peux être seule là. Je peux être seule là qui va le changer. À ce moment, tu fais quoi? À quel moment tu avances? Et si tu avances juste à quel niveau? Et à quel moment il faut partir si le gars, vraiment, vraiment, il te montre des signes qu'il n'est pas sérieux? Tout à fait. Ben là, j'ai bien compris ta question. Mais avant de la répondre, je vais vous expliquer une chose, hein. Parce que moi, j'aime bien quand vous connaissez les personnes avec lesquelles nous, on est dans la clarté. Nous, quand on parle, on est clair. C'est pour ça qu'on gêne des fois, ça dérange d'autres personnes, parce que les gens sont tellement touffus, désordonnés et très ambigus dans ce qu'ils disent. Donc, moi, quand j'ai la parole, eh ben, je dis exactement ça. Voilà, la personne qui est en face de vous, elle est coach de vie, qui s'appelle Lovanyem, de son vrai nom, qui est à l'origine de, si je me trompe, tu me dis tout de suite, à l'origine de trois ou quatre bouquins, c'est quatre? Six. Pardon? Six. Ah voilà. Six bouquins. Elle a écrit six bouquins. Elle est professeure d'université au Canada de français. Assistant prof. Assistante professeure de, voilà, d'université en français au Canada. Donc, vous avez devant vous une tête bien faite. Parce qu'il faut mettre les choses comme elles sont. Vous avez devant vous une tête bien faite. Et quand je vous parle des têtes bien faites de PTT, en voilà donc une. Vous voyez, non? Donc, de temps en temps, comme ça, vous verrez une PTT. Parce que nous, on n'est pas dans la bouillabaisse. On est avec des vraies personnes qui nous parlent des vraies choses et qui connaissent la vie et qui ont appris la vie. Donc, vous avez en face de vous une tête très bien faite. Mais moi, le problème avec cette tête bien faite-là, c'est que, et elle sait ce que je veux dire, c'est pour ça qu'elle rit. Parce que moi, très souvent, et même on a quelques têtes bien faites dans les PTT, c'est des personnes fermées, des personnes qui ont passé beaucoup de temps à l'école. C'est-à-dire, elles sont tellement carrées, mais ici, vous avez un professeur d'université qui est ouverte. Bon, quand je dis
ouverte. Prenez ça comme ça. Hein. Ne croyez pas qu'elle est toujours ouverte. Voilà. Quand je dis ouverte, c'est psychologiquement ouverte. Elle n'a aucun blocus. On peut parler de sexe avec elle. On peut parler de toutes les positions. On peut parler de tout en ce qui concerne le sexe. Elle n'a pas de limite. Elle n'est pas le style, voilà, qui était très à l'école et qui a, voilà. Donc, vous comprenez. Je vous présente l'une des PTT, Lova Mor, Lova Niem, qui est coach de vie et qui a, en fait, coach, hein, ça, elle le fait à côté. Mais son activité principale, c'est assistante de professeur à l'Université d'Ottawa, professeur de français. Voilà. Donc, Lova, qu'est-ce que je vais te dire? Moi, je répète toujours ma même histoire. Il faut vivre beaucoup de choses pour comprendre les femmes. Il faut beaucoup d'échecs. Moi, je suis un homme, quand on me voit, dès qu'on me voit, on va toujours me dire que j'ai fait du mal aux femmes. Mais on ne se rend pas compte que les femmes m'ont fait du mal parce que Dieu m'a donné ce corps-là. Et Dieu m'a donné ce côté où, même quand je souffre, c'est interne. C'est-à-dire même, c'est-à-dire la seule femme. Et quand je le dis, les gens me disent toujours, la seule femme qui décèle quand je suis vraiment énervé, c'est la sperme, ça. Et pourtant, je ne dis rien. Et c'est qu'à ce moment-ci, vraiment, ce n'est pas le moment de parler. Mm-hmm. Ce n'est pas le moment de me parler et me laisse dans mon coin, dans cette maison-ci. Si je vous dis que des fois, on fait chambre à part, et si vous ne me croirez pas, hein, elle dort en haut, je dors en bas. Hein. Vous ne me croirez pas, mais parce que voilà, c'est la vie, on est comme ça. Mais je veux te dire, Laura, dans la vie, les échecs qui font l'homme. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs. Et comme je le dis, les gens n'ont pas constaté ça. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de frustrations dans la vie. Ça fait qu'à un moment donné, quand tu es prêt à recevoir, quand tu es prêt à recevoir, parce que l'éventualité que tu prends là, il y a une personne qui n'est pas prête. Et c'est compliqué. Quand une personne n'est pas prête, mieux de partir. Moi, je le dis toujours, je me suis décidé à un moment donné que je voulais vraiment une femme. Et je suis chrétien, je sais prier. Et j'ai pris cette envie de moi de changer à un certain âge, à 45 ans plus précisément, que j'avais décidé, je voulais avoir une vie stable. Et c'est au moment que j'ai rencontré à ça. C'est-à-dire, c'est allé comme ça. Et j'ai mis ça entre les mains de Dieu et je disais toujours à Dieu, je ne voudrais pas vivre ce que j'ai vu mes amis vivre. Ça veut dire que tu fais un enfant et tu deviens la girouette de ta femme. Parce que les lois européennes protègent les femmes. Quand tu as déjà un enfant, deux enfants, c'est fini. Tu deviens, voilà, la girouette. Quand tu dis deux mots, on prend tes habits, on met dans le sac poubelle. Moi, j'ai vu tellement d'amis devenir SDF. En plus des femmes qui étaient cherchées au Cameroun. Arrivé ici en Europe, juste le temps d'avoir des enfants, ça change. Et moi, j'ai eu cette frustration pendant longtemps. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me lance. Parce que ma maman, déjà, ceux qui m'ont connu, j'aimais beaucoup ma maman. Et on se ressemblait beaucoup comme deux gouttes. Elle m'a dit, tu sais, mon fils, tu peux... Parce que moi, mes parents, je les appelais mes enfants. Les ballons, pas qui savent. Oui, ils peuvent vous dire, hein. Moi, quand mes parents venaient à Bâle, je prenais des femmes qui travaillaient pour eux pendant que j'étais à l'école. Parce que je vivais seul. J'ai vécu longtemps seul. Et maman venait là chez moi, elle me dit, c'est pas possible. Elle trouvait ça pénible. Elle me disait, mais jusqu'à ce qu'un jour, je vais au Cameroun, maman me dit, en pleurs. On me dit, mais on m'a dit que tu es dans une secte. Qu'est-ce que tu as contre les enfants? Je lui dis, maman, c'est des frustrations, tu ne peux pas comprendre. Ouais. Tu ne connais pas la vie de l'euro. Elle me dit, non, rien ne peut t'arriver. Tu dois faire comme ton père. Tu ne peux pas vivre la vie que tu vis. Tu nous appelles tes enfants. Oui, on ne manque de rien. Mais nous ne sommes pas tes enfants. Tu dois faire des enfants. C'est-à-dire, il faut que tu fasses des enfants. Moi, à ce jour, j'ai 57 neveux et nièces. 57. Wow. Oui. Et tous m'appellent papa. Et c'est-à-dire, le pire chez moi, c'est que même mes nièces avaient déjà fait des enfants avant moi. Et ma maman, ça l'a tué. Et pourtant, moi, je voyais la vie de l'Europe. Et les femmes que j'ai fréquentées, je peux dire qu'elles n'étaient pas faciles à vivre. Et ça me faisait énormément peur. Ça me faisait peur. Je n'étais pas prêt à m'engager.
Et au moment où j'avais vraiment décidé de m'engager, je te jure que il faut toujours mettre ses prières, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, il faut mettre entre les mains de Dieu. Ça, c'est vrai. J'ai demandé à Dieu de me donner une femme qui me comprend et une femme que je comprends. Et j'ai rencontré une femme qui avait roulé sa bosse, qui voulait aussi se caser. C'est pour ça que je dis toujours, j'ai fait 2 ans de balle à Francfort, contrairement à ce que les gens disent. Cette maison-ci, la star ne s'en a jamais achetée. On l'a achetée ensemble. Wow. Elle n'a jamais habité ici. Là, moi, je suis à 15 minutes de balle. Parce qu'il fallait que je l'enlève de Francfort pour venir un peu plus près de mon travail, parce que je ne voulais pas perdre mon travail. Moi, je ne pouvais pas. Je l'aimais beaucoup, ou alors je l'aime tellement que j'aurais même pu déménager à Francfort, mais là, il fallait tout recommencer. Voilà. Donc, il a fallu qu'elle vienne vers Bâle et pour qu'on commence la vie. Mais je vais dire, Laura, quand les deux cœurs ne sont pas prêts, tu sais, moi, je sais ce que c'est pour ça que je peux comprendre. Moi, j'ai vu les femmes pleurer parce que ça, c'est dur de le dire. Mais j'ai eu des femmes qui étaient enceintes et je leur ai dit, moi, je ne prends pas cet enfant. Si tu le gardes, tant pis pour toi, moi, je ne le reconnais pas. Non, mais c'est vrai, ça fait mal, mais tout ça, c'est la peur. Je comprends. Je n'ai jamais voulu vivre cette vie que je vois les gens vivre. Ça veut dire que tu rends, par exemple, visite à tes enfants. Tu as une heure où on te donne d'aller rendre visite et puis ton enfant se fait élever par peut-être une autre maman qui ne l'aime pas beaucoup. C'est dur, c'est dur. C'est-à-dire, quand je vois ce que je vis avec mes enfants, en tout cas, là, bah, tu vois souvent dans les vidéos, mes enfants n'arrivent pas à te dire, papa, je t'aime à longueur de journée. À longueur de journée. Imagine quand tu te sépares de tes enfants, tu deviens fou. Donc, j'ai prié, j'étais prêt, et elle aussi, elle était prête. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les conneries que j'ai faites à l'époque, parce que j'étais très dur, parce que j'étais pas ouvert à la discussion, j'étais carré, j'étais sûr que, comme on m'appelait le plus beau, j'étais très beau. Donc j'étais sûr que les femmes vont seulement courir. Les femmes vont seulement, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, quand je constate que la star ne t'en a pas le sourire que je connais dans un, deux jours, je lui demande que c'est pas mal. Mais oui. Je lui demande qu'attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle, tu la connais, elle ne parle pas. Elle peut endurer toutes les souffrances du monde là-dedans. Tu la vois, elle n'exprime pas la souffrance. Donc, voilà. Moi, je crois que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et moi, je comprends. J'ai rencontré sûrement des femmes qui étaient prêtes à l'époque, mais moi, je n'étais pas prêt. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Donc, à ce moment-là, au lieu de perdre beaucoup de temps, eh bien, il faut juste partir. C'est que ce n'est pas pour toi. Quelle marge tu donnes? Quelle marge? Combien de temps à peu près? 3 mois, 6 mois, 1 an? Tu sais, comme aujourd'hui, la vie va très, très... Ça va très vite, hein, surtout pour vous les femmes. Parce que nous, les hommes, on peut encore traîner le pas. Tu imagines une femme à 45 ans qui n'a pas encore d'enfant, par exemple, et qui voudrait commencer sa vie à 45 ans et après envisager faire des enfants. Moi, je pense qu'il faut aller... Il faut aller vite. Il faut aller vite. Et surtout, il faut croire en Dieu. Il faut beaucoup prier. C'est important. C'est important de prier, de mettre la vie, c'est-à-dire tous ses besoins. Tu dis vraiment que Dieu fasse, que sa volonté soit faite, quoi. Mais parce que la vie qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans les réseaux, moi, j'ai des femmes qui m'appellent. Hein. J'ai des hommes qui m'appellent. Quand tu vois le comportement des hommes ou des femmes sur la toile, ils ont peur de s'engager. Ils me demandent, mais c'est mes sentiers, fait comment? C'est pas que Facebook n'existait pas. Facebook existait, mais c'était pas le Facebook d'aujourd'hui. Tu vois? Et puis, moi, je dis dans la vie, Dieu a fait un plan pour chacun de nous. Ça, c'est vrai. Ça fait que quand c'est pour toi, comme on dit au pays, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Voilà. Et puis, les femmes. Des choses qu'il ne faut pas oublier. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Totalement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie. Et puis, ça se ressent. Ça veut dire que tu fais une relation, tu fais deux, tu fais... Moi, j'ai fait 3 mariages, par exemple. Mais il y a des choses, des signes qui ne trompent pas. Quand je prends ma femme, je l'amène au Cameroun. J'ai ma soeur là qui est décédée. À 2
mois de mon mariage, elle était la première à coudre sa tenue de mariage. Wow. Elle est morte à deux crises cardiaques. Oh, à deux mois de mon mariage, oui. Oh, elle a vu ma soeur, elle a vu ma femme, elle me dit, Jean-Louis, ça c'est ta femme. Wow. Elle me dit, vraiment, de toutes les femmes que tu nous as présentées ici, si cette femme-ci, elle ne devient pas ta femme, tu n'auras plus jamais de femme. Wow. Je jure, le premier voyage. Le premier voyage, et il faut voir le mariage, comment ça s'est passé. Toutes les amies, tu n'as jamais vu, hein, c'est rare. Là, la façon que la star et moi on s'est mariés au Cameroun, elle a amené avec elle au moins 20 copines à elle qui ont payé leur billet d'avion. Juste par amour, parce qu'on dit non. On sent que ce mariage est bon. Oh, wow. Je te jure, hein, elles sont parties de l'Allemagne payer leur billet d'avion, elles-mêmes qui étaient des femmes d'honneur et tout, des amis. Ils lui disent non. Vraiment, ce qu'on voit, ça nous plaît. Wow. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie. Quand c'est pour toi, il n'y a rien à faire. Je ne vais pas pleurer. Hein. Je ne vais pas pleurer. Non, on ne pleure pas ce soir. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Alors, moi, j'ai tellement de questions. C'est tellement beau ce que tu dis. Et je vois qu'il y a plus de personnes qui se connectent. J'ai lu des commentaires, on disait, ah, le match commence. Mais en même temps, j'ai envie de poser des questions. Je ne sais même plus quoi faire. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va voir le match. Je pose la dernière question et je peux proposer ceci. Oui. L'heure qui vous arrange demain dimanche, on peut refaire l'émission. Vous qui regardez là, est-ce que ça vous dirait qu'on le refasse demain? Absolument. Oh, merci Vanessa et vous, non, merci beaucoup. Merci. En tout cas, les gens qui m'ont fréquenté, je suis quelqu'un, je ne me vante pas, je suis quelqu'un de bien, je le sais. Mais je peux être très amer. Je peux être très amer, mais je sais que je suis quelqu'un de bien. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'est pour ça que les gens se demandent toujours comment ça se fait que tu t'es séparé avec toutes ces femmes. Il n'y a pas de titillement, il n'y a rien. On est bien. Quand on se revoit, on se dit bonjour. Ma femme dit bonjour à toutes mes ex. Sans exception, quand on se retrouve. Et on est dans. Je dis, parce que déjà, je n'ai pas été un gigolo. La femme ne. C'est-à-dire, j'ai rien pris à ces femmes-là, hormis le fait qu'à un moment donné, on s'est séparés. Mais elles m'ont trouvé avec mon travail. Elles sont parties, elles m'ont laissé avec mon travail. J'ai continué avec mon travail. Et chacun a continué sa vie. Et quand on pouvait se voir, eh ben voilà, on s'amuse, et puis voilà, chacun reprend sa route. Donc, ça fait que je n'ai rien extorqué ou arraché, ou je ne sais pas quoi. Donc, on a gardé. Il y a une de mes femmes, une de mes ex, quand elle voit la star, elle dit, mais comment tu as fait? Mais quand je le vois parler, ce mec-ci ne m'a jamais dit, je t'aime. Il dit, comment tu as fait? Bon, si le tobacco existe, et si le tobacco se manifeste comme ça se manifeste sur moi, je demande aux femmes de faire le tobacco à leurs hommes. C'est-à-dire, j'ordonne à ces femmes-là, faites le tobassi à vos hommes, parce que il n'y a rien de plus beau que l'amour. Quand tu es amoureux, quand tu finis ton travail, tu veux courir, tu veux rentrer chez toi. Oh. C'est-à-dire, il n'y a rien qui te retient dehors, tu veux rentrer chez toi. Ta femme, tu l'appelles 1 million de fois par jour, pour rien. Ça, c'est de l'amour. Et si c'est ça, le tobassi, vraiment, il faut le faire à tout le monde. Wow. Parce que quand on vit dans un monde d'amour, on a moins de problèmes. Si tout le monde est amoureux, on a quel problème? Je suis d'accord. On n'a pas de problème. Mais tu vois autant de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'aigreurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mal-être dans le cœur des gens. Il y a des gens qui ne sont pas aimés. Il y a des gens qui vivent des situations très compliquées dans leur vie. Il y a des gens qui ne sont pas aimés par leurs parents, qui ne sont pas aimés par leurs amis, qui ne sont pas aimés même par leur mari. Parce que mine de rien, moi, je connais les hommes vraiment qui ne respectent pas du tout la femme. Oh. C'est-à-dire, tu ne peux pas insulter ta femme, par exemple, devant les gens. Des congrès, il y a deux fois. Et les femmes endurent ça. Donc, franchement, comme je... À moins que l'on va être une deuxième question. Non, je crois que ça dépend de cette émission demain. En même temps, le match a vraiment commencé. Moi, je voudrais
qu'on la fasse demain, oui. À l'heure qui, comme toi, tu es au Canada, et puis je sais que tu vas à la messe tous les dimanches, je ne sais pas l'heure qui te conviendrait. Après la messe. Il est quelle heure? Ah oui, à 7h, si je veux dire, c'est très... Chez nous, là, maintenant, il est 20h, 21h moins 10. On peut faire 21h. On peut faire 21h. Oui. OK. Ceux qui nous regardent, là, est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord pour 21h? Oui. Voilà, le match commence bientôt. Donc, on se dit demain à 21h. Demain, 21h. On va reprendre ce sujet. Super. Mais les hommes. Et préparer des questions. Je ne veux pas être la seule à poser des questions. Voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, merci beaucoup, Lova. Je sais que le décalage horaire et tout ça, mais tu es une PTT qui est tellement disponible et tu nous apportes beaucoup, beaucoup d'idées et on a besoin. En tout cas, je n'ai pas besoin de te le dire. Si tu sais ce que je sais. Je ne vais pas rougir non plus. Voilà. Donc, vraiment, la famille. On s'est dit demain à 21h. Là, maintenant, nous allons une synergie. C'est-à-dire, nous devons envoyer toute l'énergie à Abidjan. Nous devons survivre nos lions parce que tout à l'heure, On va montrer ça. Voilà. Tout à l'heure, regardez ce qui va se passer. Tout à l'heure, dès qu'on a fini là, nous allons tous nous mettre ceci. Attendez juste un moment, s'il vous plaît. Parce que vous savez que les lions indomptables, il n'y a pas photocopie de ça. Il n'y a pas photocopie de lion. Comme disait quelqu'un, le lion n'est camarade de personne. C'est clair. Non, on est camarade. Écoutez ça. Il comprend le ballon à couper des galets. Oh wow. Coupez la famille. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. On peut le faire un direct, juste un direct de soi. Mais sinon, on se retrouve demain à 21h pour continuer avec ce débat. Yes, merci, yes, bon match. Les lions, on est ensemble. One peace, one love pour la victoire. Bye bye. Bye. Ciao.